if you believe it's true. Baby, won't you let the light shine through? Voilà, de retour à cette EP FCO BO2 Extrême. Donc cette fois-ci, ce sera en ma compagnie, Koga. Donc voilà, tout simplement, Pyro, comme vous pourrez le voir juste là-bas, là, sur le petit écran qui vous permet de voir les joueurs, bah, sera arbitre sur le main stage. Encore une fois, c'est la même raison qu'hier, par rapport au fait que la FCO est un peu en sous-effectif. Donc on les aide comme on peut, tout simplement. Donc on s'inverse les rôles. Mais vous inquiétez pas, je pense que pour la finale loser... La finale loser, grande finale en tout cas dans tous les cas de figure, on sera deux, ça c'est sûr. Mais on va essayer pour ceux d'avant aussi, pour pouvoir se permettre de pouvoir faire des duos. Et sinon j'espère que vous allez tous bien. Et on va pouvoir partir donc sur le loser bracket 7 entre les NB13 et les excusez-moi, les NRV Gaming, si je me trompe pas, oui c'est ça. Donc voilà, un match, plutôt un bon match je trouve en perspective. Ce sera sur un BO3 encore une fois. Les BO5 commenceront à partir du loser bracket 8. Donc voilà, on va pouvoir lancer bien sûr, donc c'est parti. Et donc voilà, c'était pour vous dire, ce sera sur un BO3, NB13 contre les NRV. Ça risque d'être assez sympathique à voir. On va partir sur un HP Yemen, ça va être cool aussi. Peut-être pas la map préférée de tous les joueurs, faut quand même le préciser. Elle est vachement grande. Mais voilà, donc on va pouvoir commencer là-dessus. On va aller dans le in-game très bientôt. Voilà, c'est bon, ça va commencer dans une dizaine de secondes. On va aller commencer du côté des NB13. Et ça y est, c'est parti. Alors MyTeam qui part directement côté droit. Alors je pense qu'il va vouloir faire soit l'équipe pour empêcher voilà, toutes les personnes qui voudraient passer côté place hein, en face de lui. Il fait l'open kill. Ah non, il fait pas l'open kill, mais en tout cas il fait le kill sur le point. Très bien, j'ai la petite double qui passe très très bien. Par contre il a mis quelques balles là juste en face de lui. Au mur cassé. Faudrait qu'il fasse gaffe là par la suite. On continue bien sûr là-dessus. Très bien joué là de la part de Timmy encore une fois qui fait quand même une série de 3 kills. Qui permet en tout cas... Ce qui n'a pas spécialement permis à ses teammates de pouvoir prendre les points, je suis étonné, ils n'ont pas voulu rentrer dans le point. Mais maintenant, ça y est, c'est bon, on est à 7-7. Un début plutôt calme au niveau des points, mais Timmy, il est vraiment on fire, il est sur une série de 5 kills avec son MP7. Et donc, il laisse Pointas dans le point, il va l'enchaîner directement dans le P2, il lance directement son système trophy à l'intérieur, histoire de pouvoir se protéger de tous les accessoires ennemis. Par contre, s'il arrive à lancer son Lodestar, je serais quand même assez étonné. Mais bon, il est très bien parti pour... On va rester sur lui bien sûr, et on voit aussi que Bristow est sur une série de 5 kills de son côté. En tout cas les NB13 commencent... En fait au niveau des kills je pense qu'ils sont quand même largement au-dessus. Mais les points en fait ne suivent pas spécialement. Très bien joué de la part de MyTeamy là qui enchaîne bien aussi avec le foudrement à l'extérieur du point. Et donc maintenant il va commencer à slay. Alors plus 25, encore une fois il est très très près de son Lodestar. S'il arrive à lancer son Lodestar dès le début de game... Ce sera quand même pas négligeable, faut le dire.
Et bah, ça va-t-il réussir son kill? Oui, très bien joué. Plus. Ah, il est vraiment très très près de son autre star, la Mighty, il faut le dire. Le kick a été fait par Puenta sur Brask. Il est à une assistance ou même un kill au Hellstorm pour pouvoir lancer le autre star. Et ça y est, c'est bon, il a le autre star. Ah, il est chaud, il est chaud. Franchement, il est chaud, la Mighty. Il a réussi à lancer son autre star. Il est sur une série de 10 kills. Ah, il n'y a pas à dire, il est vraiment déterminé. Et là, il est tombé malheureusement pour lui. Mais très, très, très bien joué là de la part de Mighty, qui va pouvoir permettre peut-être à Donald quand même un avantage assez considérable à son équipe sur les ponts qui sont quand même assez ouverts grâce au Lodestar. En tout cas, bien joué. C'est quand même une belle prouesse hein, de lancer un Lodestar dès le début de game en HP. Et bien sûr, on va pouvoir reprendre la game. Et la NB13 là qui s'envole un petit peu hein, au niveau des points. Ils vont bientôt passer, excusez-moi, la barre des 100 points avant 7 minutes de jeu joué. C'est pas négligeable quand même, faut le dire. Et on va aller sur sortie. Sortie qui continue. Il va lancer son petit Hellstorm tranquillement. Ça y est, c'est bon. Ah, ils enchaînent vraiment, vraiment bien là, les NB13. Il reste une dizaine de points là dans ce P3. La transition qui a déjà été faite hein, par les opposants des NVR, des NRV, excusez-moi. Et ça y est, c'est bon, on est en conflit, je crois, sur le point. C'est Puenta là qui commence à prendre des points ici de son côté. Ah, par contre, il commence à se faire tirer dessus la Puenta. Faut vraiment pas que tu meures, je pense. Ce serait peut-être pas la meilleure des solutions. Je crois qu'il y a un kill ou une assistance même de son foudroiement. Ah, oh, bien joué, élimination sur le point stratégique. Voilà, donc le foudroiement a été débloqué. Il a très très peu quand même de sa machine de guerre. Et Storm et foudroiement pour HLSI. Y, excusez-moi. Je vais l'appeler HL, hein, ça ira beaucoup plus vite. Ah, franchement, très très bien joué. En tout cas, un start très très brutal en tout cas de la part des NB13. Mais bon, on est en train de le voir là, les NRV ne se laissent pas faire quand même de leur côté, hein, faut le dire. Il y a moins de 100 points d'écart, ils reviennent. Le Storm qui va être lancé. Ah non, le Foudroiement, excusez-moi, qui va être lancé. Mighty qui a lancé son Lodestar, ça y est, c'est bon. Mighty qui est bien parti là pour pouvoir faire tous les kills au niveau de la place. Ah, c'est pas tout le temps le cas, c'est pas tous les jours qu'on peut voir un Lodestar en tout cas en LAN et surtout streamer, donc bien joué de sa part. Il nous permet en tout cas de voir une chose un peu différente que d'habitude. Ah, il les empêche en plus de pouvoir rentrer sur le point, il fait vraiment énormément de spawn kills là. Très bien joué là de la part de Mighty, qui est sur une série de 12 kills. Et il est à 29-6. C'est toujours pas fini, il a déjà fait 30 bombes. Non, franchement, il est bien déterminé et ça fait plaisir à voir en tout cas pour les NB13. On va rester sur une série de 13 kills, bien sûr, grâce au Lodestar. Les NB13, en tout cas, qui ont pu prendre tous les points quasiment de ce P5. Et on va pouvoir enchaîner sur le P1, le P1 qui a déjà été pris par Brulux. Je pense que je vais l'appeler Brulux. Oui, ça doit être ça. Brulux qui est tombé, qui a laissé la place à Brask. Brask aussi qui tombe de son côté, Surti qui tombe aussi qui était sur le point, et Mighty commence à prendre les points lui aussi de son côté. Et l'hélicoptère de HLSY qui a été. Non, c'est pas le sien, c'était à qui alors? Ah non, ouais, c'est. Ah non, c'était. Ah non, j'ai confondu à cause du petit icône. En effet, c'était la machine de guerre, je crois que c'était l'hélico. Et donc, on continue là-dessus. Puenta là qui réussit quand même à faire une double avec le foudrement, mais il se suicide avec, malheureusement. On est à 194 à 73. La barre des 200 points qui va être bientôt dépassée là par les NB13. Ah, les NB13 qui mentalement sont bien présents hein, quand même, il faut le dire. Ils ont mis vraiment un coup au moral au NRV. Oula, 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 oula. Ouh, Puenta, il a vraiment eu très très chaud là sur le coup. Le petit headshot en long shot là sur Brask, très bien joué de sa part. On arrive, on a 4 kills d'affilée. Franchement, c'est quand même un bel HP qu'ils ont pu nous montrer les MB13.
Je pense vraiment qu'ils vont gagner. En tout cas, s'ils perdent, c'est qu'ils l'ont limite fait exprès là maintenant. Mais voilà, donc je pense qu'on va finir sur une victoire des NB13. En tout cas, il lâche rien là, il est énervé, ça fait plaisir. On va peut-être retourner sur le tableau des scores. 42-12. Il est vraiment, vraiment très, très chaud. Rien à dire. 42-12, 23-12, 18-9, 20-14. Et en face, ouais, c'est sûr que c'est vraiment très, très chaud. 250, 82. Ils sont vraiment très, très chauds. Rien à dire. Ouais, même Drezy, il est. Fait des expressions pour dire hey, je suis choqué quand même, c'était pas mal. Non, franchement, allez. Moi qui n'étais pas spécialement très chaud pour un HP Yémen, bah apparemment j'ai eu un peu tort là sur le coup, donc ça fait plaisir. Donc 250-82, bien joué NB13. On va pouvoir aller donc sur une SND stand-off. Et là, sans hésitation, je donnerai comme pronostic. La victoire au MB13, la MB13 là qui vont vraiment, je pense qu'ils ont vraiment largement le mental là sur le coup pour pouvoir gagner cette SND plutôt tranquillement. Je pense un petit 6-3 pour eux. En tout cas, je pense que mon pronostic ira sur la victoire des MB13 là sur le coup, mais bon, à voir pour par la suite. J'espère rester sur un 100%, ce serait cool. Apparemment, peut-on avoir son du jeu? Normalement, il y est, son du jeu. Ça m'étonnerait qu'il n'y soit pas. Ouais, non, ouais, non, normalement, ouais, non, normalement, on n'avait pas de soucis. Donc, je suis assez étonné qu'une personne n'ait pas le son du jeu. Dites-moi s'il vous plaît avec le hashtag FCOLIVE si vous aviez le son du jeu ou pas pendant le HP, mais je pense que vous auriez été une rafale de personnes à nous dire qu'il n'y avait pas de son. J'imagine que ça ne doit pas être le cas. Donc on va attendre bien sûr que tous les joueurs soient prêts. Et aussi encore une fois, n'hésitez pas avec le hashtag FCOLIVE si vous voulez interagir avec nous. Ce sera avec grand plaisir, Pyro ou moi, quand on est là devant cette fameuse caméra. On va attendre bien sûr que tous les joueurs soient prêts avant de pouvoir lancer cette SND. Ah, apparemment, ouais, il y a une autre personne qui n'en avait pas non plus. Donc je pense que on va remédier à ça pour le prochain. Ouais, voilà, j'avais pas de son. Ok, d'accord. Il n'y avait vraiment pas de son en fait, Drezy. Tout le monde me dit qu'il n'y en avait pas. Je suis étonné parce que pour mon match dernier, je pense qu'il y en avait. On va remédier à ça, bien sûr. Pas de son du jeu. Ok, d'accord. Donc, vous me confirmez tous comme quoi il n'y en avait pas. On va vous mettre, bien sûr, pour la SND qui va suivre. Ouais, en effet. Donc, peut-être qu'il était bas. On verra bien par la suite. Mais bon voilà, on va remédier à ça, vous inquiétez pas. Donc n'hésitez pas avec le hashtag Live aussi à me donner vos pronostics par rapport à cette SND ou même au match. Ok, peut lancer. C'est parti. Alors, il y en a un, il m'a dit, moi j'ai le son, donc ok. Il doit vraiment être bas en fait. On va un peu l'augmenter pour que tout le monde puisse profiter comme il se doit. Allez, c'est parti. On part en SND. On va vous mettre le in-game. On va vous mettre un peu plus de son sur le in-game de manière à voir ce que ça va être bon ou pas. Normalement, il y a du son, on est en train de voir comme quoi on a un retour son. Dites-nous aussi avec le hashtag FCO Live. Dites-nous aussi avec le hashtag FCO Live si vraiment vous trouvez que le son est trop bas ou quelque chose dans le genre. Entre nous, normalement, là, on l'a quand même augmenté assez considérablement. On va voir ce que ça a donné maintenant. Le kick de Penta qui a été fait en plus très rapidement, mais qui tombe très rapidement aussi de son côté. Les NB13 qui se retrouvent plus qu'à 2 contre 3 DNRV. Il faut vraiment qu'ils fassent très attention.
Ancelotti qui remet un peu les scores à égalité au niveau des personnes en vie. Par contre, de son côté, Maïtimi est sorti aussi, qui est tombé sur la balle de Brasque. C'est good au niveau son. Ok, merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez vraiment pas de nous le dire avec le hashtag FCO Live si vous avez un souci ou quoi que ce soit sur le live en question. Parce que nous, on ne voit pas spécialement s'il y a un souci ou pas. Donc, ça nous fait vachement plaisir. Donc, on va peut-être baisser un tout petit peu. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, merci beaucoup. En tout cas, le son est trop fort, ouais, c'est vrai qu'on l'a un peu augmenté. Donc voilà, mais merci beaucoup en tout cas pour nous le dire. On l'a baissé. On l'a baissé sur le coup. Donc merci à tous pour vos retours. On repart bien sûr dans la game avec cette fois-ci l'attaque des NRV. Ah, il tombe aussi très rapidement. Brutus, deux des NRV qui sont tombés très rapidement. HL peut dire merci. Il a voulu mettre un coup de snipe, mais il se l'est pris. Et maintenant, on a revoir ce qui se retrouve en situation de 1v4 là. Et il a été eu par derrière par Puenta. Je pense que c'est Puenta qui a fait le kill par derrière. En effet, c'est bien le cas. Donc très bien joué là les NB13 qui ont bien répondu directement aux NRV. Ils ont pris le moins 4 très rapidement. Donc je suis quand même assez étonné, mais tant mieux. Ça s'est bien passé pour eux apparemment. Donc on repart à 1-1. Score égal entre ces deux équipes. On va pouvoir continuer bien sûr. Avec du côté des NB13. Avec Puenta qui lance son top. Aïe aïe, qui se mange le coup de snipe là de directement de Rowers. Bombe récupérée. Sortie qui vérifie son back. Ah, ils ont pas voulu rusher directement la NB13. Ils ont vu que Puenta était tombé. Ils ont back. Et ils préfèrent attendre le tempo. Vérifier qu'ils peuvent passer. Ils attendent que toutes les grenades tombent. Aïe aïe aïe, lui aussi Bristow qui tombe de son côté. On a la bombe. Maïtimi sorti contre 4 des NRV. Le temps est presque écoulé. Allez. Ah, Maïtimi seul en 1v4, il reste 24 secondes. Il s'attend à ce que quelqu'un qui arrive en face de lui. Mais bon, je pense pas qu'il va réussir sur un V4 en aussi peu de temps. Les NRV ont juste à rester chez eux, la limite, pour pouvoir gagner cette manche. Ouh, très bien joué là, le jump shot là, de Maïtimi. Et cette manche va se finir au temps. 2-1. On a perdu cette manche, mais ce n'est pas fini. Préparez-vous. Première défense de gagner. Et ça a été mis du côté des NRV. Changement de côté. Recherche et destruction. Allez, c'est reparti. On attaque cette fois-ci du côté de NRV. Détruisez les objectifs. Sentinelle terrestre en attente. La grenade qui a été lancée. C'est là qui prend son temps bien sûr du côté des NRV. Ils veulent pas rusher bêtement. Par contre je crois que HL va avoir une surprise. On va voir ce qu'il a bien défendu. Puenta qui a fait le kill sur le but. Puenta qui tombe très haut. Oh, 2 des NB13 ont fait un kill chacun. Ce qui met HL seul en 1v2 avec sa bombe. Par contre il était attendu très bien joué là, la part de Brisco. Je pense que chacun vérifie un peu une des allées où il aurait pu passer. Bristow était dans la bonne apparemment. Ça fait 2-2. Une défense aussi de gagner du côté des NB13. Et les NB13 normalement qui devra aller en attaque si je ne me trompe pas. Oui c'est bien ça. Changement de côté. Recherche et destruction. Éliminer l'objectif. Bombe récupérée.
Allez, on continue, bien sûr. Cette fois-ci, on attaque du côté des NB13. On va voir ce que ça donne. Oh, par contre, j'aurais dû me rester sur Bristow, désolé. Qui fait le kill sur HL. Bristow qui a pris le risque de rusher aussi loin. Sans spécialement se prendre une grenade ou quelque chose dans le genre. Brass, par contre, qui fait le kill sur Mighty. Serti qui fait le kill sur Hours. Bonta qui préfère pas poser. Ah ouais, je pense qu'il savait qu'il y avait un de ses opposants. Pas très loin. Et on a Serti qui se retrouve en situation de 1v2. S'il gagne son jeu, ah, malheureusement il ne le gagne pas. C'est sûr que MSMC contre AN. En général, à cette distance, c'est la MSMC qui gagne. Mais bon, c'est pas terminé, mais c'est quand même une belle SND qu'on a le droit là. 3-2. C'est un peu des échanges au niveau des manches. Chacun en met une à son tour. Mais personne n'arrive à en mettre deux d'affilée. Défendez l'objectif. On va voir si ça va être le cas des énervés maintenant avec leur attaque. Le petit jump pour vérifier si ça va être au top. HL qui est dans la maison. On a quand même un des NB13 qui est tombé. Entre temps, une minute restante. Ah ouais, on va pouvoir manger son teammate. Il a réussi, par contre, il est vachement rouge. Hours qui va peut-être avoir encore un autre duel. C'est peut-être pas Hours qui va l'avoir en fin de compte. Oh, il a vu la tête passer. Et il a réussi quand même à avoir le kill sur Bristow. On a Mighty Mix qui se retrouve en situation de 1v3 là maintenant. C'est trop serré, secouez-vous. Il a entendu comme quoi ça avait tiré dans le bac du kebab. Il reste 20 secondes, la bombe a été posée en A. Oh, très bien joué Mighty Mix, qui fait un beau kill là sur Hours qui se retrouve en situation de 1v2. Les deux énervés qui sont bien écartés. Alors c'est peut-être pas la meilleure des choses, mais tant mieux pour HL qui était au bon endroit avec son sniper. Et donc 4 à 2, les énervés qui font le break. Très bien joué de leur part. On va voir si les NB13 vont pouvoir remonter. Changement de côté. Dommage pourtant les NB13 qui je pense avaient largement le mental pour pouvoir destruction. Tenir les énervés sur cette SND. Protéger les objectifs. Alors, apparemment c'est plutôt parti pour aller en B. Comment sont replacés là les NRV, je pense qu'ils savent que les NB13 arrivent par le bac kebab. Ah, il a pas réussi à gagner son duel là malheureusement. Punta qui va pas spécialement sortir, par contre sorti qui va un peu faire du bruit. Ah ouais non, il c'était peut-être pas le meilleur des moves la sortie. Ah, ça va arriver derrière le Mighty qui va se retrouver tout seul contre 4. Je pense que tous les énervés savent où est la bombe. Attention au chrono. Attention, votre équipement a été détruit. Il reste 20 secondes, je ne pense pas que Mighty va pouvoir réussir le 1v4 en question, bien qu'il ait fait au moins un kill. 15 secondes restantes. Oui, il reste. Ah, oh, il a plus de balles malheureusement pour lui. On a perdu cette manche. Il aurait pu, je pense que s'il avait une rafale de plus, ça aurait pu faire le kill, mais bon. Dommage pour lui. Changement de côté. Recherche et destruction. Ouais, c'est parti. Protéger l'objectif. On a la bombe. RCXD en approche. Avec les énervés qui sont plus qu'à une seule manche pour de pouvoir win cette SND. Mise
Storm qui a été lancé. Qui a été fait. Deux DNB 13 qui sont tombés. Les Nervix sont très très bien partis pour pouvoir win cette manche. En plus, Brulux qui est sur une série de 7 kills. Fait du 7-3. Oh, Mighty Mick fait une double. Ça réduit à 2v2. Bristo qui fait son kill aussi de son côté. 1v2. Terminez la mission. Il ne reste plus que vous. Très bien joué là, la part de Brulux qui empêche Mighty Mick de pouvoir descendre de la maison. Il n'a pas tué. Par contre, il reste 15 secondes. La bombe qui va être posée là par Brulux sur le point. Mais voilà, il était attendu. Ça y est, c'est bon, le kick a été fait. Le kick a été fait par Bristo. Bristo qui va les désamorcer. Bombe désarmée. Et donc ça va faire 5 à 3. On va voir si les NB13 vont faire le comeback. En tout cas, je ne serais pas étonné qu'ils le fassent. Changement de point de départ. Recherche et destruction. Détruisez les objectifs. On a la bombe. On va continuer bien sûr cette fois-ci en attaque du côté des NB13. Les NB13 qui lancent tous les deux systèmes trophy du côté de Bristo. Ça vérifie le back. Il n'y a personne dans le back par contre, donc il va falloir faire très attention. La bombe qui passe directement par le middle. Je pense que Puenta va avoir un duet très rapidement en effet, ouais. Dans son angle mort. Mighty Mill aurait peut-être pas dû tirer là sur le coup. Mais un kill de fait de chaque côté. La RCXD qui a été lancée. Mais je pense qu'elle va être explosée. Non. Ça y est, elle a été explosée. Ah, Mighty Mick a peut-être le kill là sur le coup. Ou sorti qui a eu son dieu, mais qui le perd là malheureusement. Il reçoit quand même quelques balles par un de ses opposants sur le point A. Bristo qui arrive à faire tout le tour sans se faire repérer. Bristo qui va avoir un move très décisif là sur le coup. Parce qu'il va avoir un kill gratuit. Le système trophy qui a été éclaté. Il se retrouve maintenant à 2v1 les NB13. On va voir ce qui est tout seul qui fait le kill directement sur le poseur de bombe. Il reste plus que 6 secondes. Il préfère pas poser la bombe, il préfère jouer le kill. Oh là là. Ça va être... Oh, il a gagné son duel à une seconde près. Préparez-vous pour la suite. Très 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 bien joué. À une seconde près, il gagne son duel contre Hours. Hours qui a voulu revenir et vérifier s'il posait la bombe. Hours, à ce moment-là, je pense qu'il aurait dû attendre que cette bombe soit posée. Il aurait pu avoir un peu plus de temps pour pouvoir préparer son offensive. Protéger les objectifs. En tout cas, voilà, donc les NB13 qui reviennent. Les NRV, là, il faut vraiment qu'ils lâchent rien du tout. Ils étaient à 5-2, je le rappelle. Mighty Mick qui fait l'open kill. On va voir ce qui est dans la station essence. Ça prend son temps, bien sûr, du côté des NRV, il y a toujours un moins 1. Il reste 38 secondes. On a perdu la bombe. Qui fait un autre kill là sur les NRV, il se retrouve plus qu'à 2 contre 4. Hachette qui va essayer de mettre son coup de snipe, il va pas réussir. Malheureusement, pour les renvois, il tombe dans le bac kebab. Terminer la mission. Hachette qui se retrouve seul.
Et donc 5-5. Les NB13 qui reviennent à 5-5. Alors est-ce que mon prono va être juste ou pas? On va voir ça tout de suite. Mais en tout cas, les NB13 qui reviennent de très très loin. Là, ils ont. Je pense qu'ils ont le mental. Ils sont chauds. Ah, ils en veulent là sur le coup, je pense, les NB13. On va voir bien sûr comment on va se jouer l'attaque des NRV. Les NRV là qui. Nettoyer les objectifs. Les NB13, je pense qu'ils ont des SS. Ils ont au moins un. Oui, ils ont un Hellstorm. Bristo, un Hellstorm. Je pense que les NB13 vont vraiment attendre avant de pouvoir l'utiliser. HL qui vérifie. On est en train de voir que les NB13 ne bougent pas. Hein. Ils se mettent vraiment. Chacun dans une position. On est en train de voir aussi que du côté des NRV, ils restent tous dans des. Dans, au moins à l'abri. Ça y est, c'est bon, ça commence à se déplacer. Ça va sûrement faire une attaque en B. Il y en a un dans le kebab, à la droite de Brask. Je pense qu'il a été annoncé. Brask a été suivi, par contre, il est tombé, oui, sous les balles de Mighty Me. Et la bombe qui va être posée en B. Non, il est tombé avant de pouvoir. Si, il a réussi à la poser. Le headstorm qui a été lancé, qui va maintenant annoncer en fait au NB13. Oh, le kill qui a été fait dans la maison. Il a dû vraiment bien le lancer dans la porte pour pouvoir faire le kill. Et Brulus qui se retrouve en situation de 1v4 avec la bombe posée qui tombe et c'est l'NB13 qui win avec ce comeback de ouf. 5-2, ils reviennent à 6-5 avec ce kill fait à une seconde de la fin. Franchement très bien joué, ce fameux kill qui leur a permis de pouvoir revenir. Ouais. Mission accomplie, retour à la base. Et donc les NB13 qui gagnent ce tour numéro 7 du Loser Bracket et qui me permet de rester à 100% sur mes pronostics sur cette LAN de FCO BO2.